Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, vous connaissez cet endroit. What? Il y a plein de trucs qui ont changé. Bon, les amis, je ne sais même pas par quoi commencer parce que je vais pas vous mentir que tout est allé très très vite. Donc là, vraiment, niveau transition entre la dernière vidéo et celle-là, alors j'ose même pas imaginer la toute première vidéo que j'ai faite sur le jeu et la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, c'est fou comment le parc a évolué. Je suis très content. Donc les amis, évidemment, l'ajout majeur, c'est ce parking, toute cette pré-zone du parc que je vais vous présenter, je vais tout vous expliquer. L'ajout d'une nouvelle attraction, je suis particulièrement content, mais également pas mal de modifications au sein même du parc. Vous le voyez même là d'ailleurs, nouvelle attraction ici. Enfin bon, attendez les gars, ça part en cacahuète. Alors je vais mettre le jeu en pause. Ça part en cacahuète, il y a énormément de choses. Chronologiquement, juste comme ça j'oublie pas, j'aimerais vous montrer ce que j'ai taffé là-bas de nouveau, dans la zone pirate. Alors déjà dans la zone principale ici, j'ai apporté beaucoup de détails à cette attraction Far Cry. Vous voyez la différence. Voilà, j'ai ajouté beaucoup de roches, notamment ici. Ça fait un petit peu bugger le jeu d'ailleurs. J'ai ajouté de la roche. J'ai ajouté ici beaucoup de bambou. En fait, j'ai acheté le DLC Adventure, je crois. Le DLC Aventure, donc pareil sur Eneba. C'était un des DLC qui me manquait. Donc ça me rajoute énormément de choses. Et ça va super bien avec le thème de cette attraction. Voilà, donc là, la porte qui s'ouvre quand il y a un bateau qui passe. Et puis juste derrière, ça se referme. J'ai ajouté plein de bambou pour les détails, des petits feuillages. En haut, j'ai ajouté des serpents incroyables, des nouveaux types de palmiers bananiers, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est des palmiers pinots, voilà, très bien. J'ai ajouté des scorpions, des effets de lumière, des stalactites, un petit crocodile qui est pas content juste ici. Voilà, des chutes d'eau ici. Et là j'ai ajouté en fait un nouvel environnement, donc j'ai ajouté de l'eau un petit peu partout et j'ai créé une petite attraction juste là. Donc en fait au niveau du quartier Far West juste ici, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, c'est pas très attrayant. Mais du coup voilà, j'ai fait, donc pour le moment c'est en maintenance, donc l'attraction ne fonctionne pas. Mais donc vous voyez la petite file d'attente pour le moment à quoi elle ressemble. Bien sympa dans les bambous, tac, t'arrives là et en fait c'est un petit tour de bateau en fait, hein. Un petit tour de bateau, comment ça s'appelle, Island Adventure. Hop, je vous le mets en test pour vous voyez un petit peu. Voilà. En gros, c'est un petit tour de bateau. Avec ici des crocodiles. Il n'y a pas encore de déco ou quoi, puisque pour le moment, ça fonctionne pas. Mais peut-être que quand ça fonctionnera... Je sais pas en fait si cette attraction, je vais l'enlever ou non. Dans tous les cas, voilà. Ça fait un petit tour ici. Là, j'ai ajouté des petits éléments de déco un peu militaires. Genre... voilà, il y a un background. Il y a un background, on sait pas quoi. Voilà, ça passe juste à côté de l'attraction Far Cry et du Secret Boo juste ici. Donc c'est bien sympa. Tac, voilà, le bateau il passe par là. Pareil, il y a des petits crocodiles. J'ai fait un petit ponton ici. Donc voilà, j'ai ajouté des petits éléments de décoration. Ça fait un petit circuit qui peut être bien sympa. Donc faut voir si ça va plaire aux gens ou pas. Mais en tout cas, voilà pour ici. J'ai ajouté beaucoup d'éléments, enfin beaucoup d'éléments, des petits éléments de déco pour l'attraction des mines. Juste ici. Voilà, histoire que ça fasse un peu moins pauvre. Donc j'ai ajouté de l'acacia, des trucs de campement, etc. Comme ça c'est un petit peu plus intéressant pour cette attraction. Sinon, donc là voilà, au niveau du Far Cry, voilà pour les modifications. J'ai ajouté également juste là des petits effets de lave, la roche que j'ai mis en abondance, et la file d'attente juste ici aussi. Regardez-moi ça, petite file d'attente de type bambou. Plutôt sympa. Alors eux ils se sont bloqués tout seuls, ils sont débiles. Ils se sont bloqués tout seuls. Mais donc voilà un petit peu au niveau de l'entrée, de la file d'attente, un petit peu décoré. Là, il n'y a rien qui a bougé au niveau des backstage, comme j'appelle. La zone pirate que j'ai bien retravaillée également. Voilà, là c'est un grand changement que j'ai fait.
c'est la file d'attente ici que j'ai vraiment, vous allez être fiers de moi, j'ai passé beaucoup de temps. Alors ça, j'ai pris ça sur le workshop, du coup, je sais plus d'où, mais j'ai pris ça sur le workshop, ça se trouve assez facilement. Et là, vous voyez la file d'attente, je me suis gavé, donc en gros, on voit plus les trucs de base, et je me suis littéralement gavé, voilà. Je suis assez content du résultat, voilà. D'ailleurs, de toute façon, vous voyez la file d'attente, elle est vraiment blindée, genre les gens, ils sont très contents de toute cette déco. Donc là, petite protection évidemment, parce que, ça arrive quand même à plein pot ici, là. Voilà. Un petit peu dangereux, donc au cas où, voilà, ne pas approcher, zone à risque. Donc voilà des petits éléments de décoration pour une file d'attente agréable. Et puis voilà, l'attraction en elle-même, je l'ai pas retouchée, hein. Voilà, j'ai pas changé l'attraction, mais voilà, c'est juste vraiment au niveau du départ et de la file d'attente. Vous voyez que j'ai rajouté pas mal de petits détails pour rendre la chose sympa. Et j'attends de voir vos retours, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. La zone ici, je crois j'ai rien retouché au niveau de la zone future. La grande roue, je l'ai laissée pour la simple et bonne raison que bah, en vrai, c'est vrai qu'un parc d'attraction sans grande roue, c'est un petit peu dommage. Mais surtout parce que regardez, la joue, je l'avais oublié, c'est le breakdance. Alors je l'appelle le breakdance. Je sais pas comment ça s'appelle, un power move. Voilà, ça s'appelle power move, mais moi j'appelle ça le breakdance. Et bon, je l'ai pas décoré, je l'ai pas décoré de ouf, mais voilà, je l'ai placé juste ici, plutôt sympa, parce qu'en fait il y avait pas assez de place pour le mettre là. Donc du coup je me suis dit bon bah la grande roue, ma foi, va falloir la laisser là. Et putain, mais le jeu il est bugué, c'est un truc de malade. Bref, ouais, donc je disais le breakdance juste ici. J'ai ajouté des effets de fumée. Évidemment, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Je vous montre la nuit aussi. Attendez, que je vous montre la nuit aussi, parce que j'ai mis des petits effets de lumière. Voilà, mon pote. Hein, c'est quand même pas mal. Pareil, j'ai mis pas mal d'éclairage de partout, hein. Donc tout le parc est éclairé comme il faut, sauf la zone pirate encore. La zone pirate, elle est pas éclairée, mais là, la zone principale, elle est relativement éclairée. Tout n'est pas fini encore, comme vous le voyez, mais les lumières sont en partie présentes. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal. Je suis content. Le carrousel toujours là, bien évidemment. Et là, j'ai rien retouché d'autre par ici. Ah oui, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la zone un peu enfantine, juste ici, donc avec le grand Utopia, les petits tacos, tout ça. Eh bien, j'ai ajouté ici, alors regardez. Là ici il y a la zone backstage, donc pour les employés, ça n'a pas changé. Et du coup, comme il y avait de l'espace ici, je me suis dit eh ben voilà, on va mettre un petit air de repos, si on peut dire, un petit air pour les enfants, donc avec des toboggans que j'ai chopé sur le workshop. Donc j'ai fait moi-même les toboggans, mais avec des modèles préfaits sur le workshop. Donc c'est pas parfait, mais du coup voilà, un petit peu, il y a trois petits toboggans différents. Ah oui, alors par contre un petit peu dangereux ça, je me demandais pourquoi les enfants n'allaient pas dans ce toboggan là, je comprends mieux. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez cocasse. Petite balançoire aussi que j'ai chopé sur le workshop. Et du coup, les petits soins ici, les toilettes là. Et donc les backstage derrière qui sont reliés maintenant ici au parking qui sont juste là. Puisque du coup, ça c'est la grande nouveauté, je vais vous présenter tout ça. Alors, à la base de la base, je suis parti sur quelque chose du workshop. Donc le parking en lui-même, à la base, c'était quelque chose du workshop. Et j'ai tout retravaillé de moi-même pour que ce soit tout personnalisé. Donc bon, les lampadaires, c'est moi, vous les avez reconnus. C'est mes petits lampadaires fétiches à la mode dans ce parc. Mais du coup, voilà, je suis parti d'un truc du workshop et j'ai tout recustomisé. Et j'ai essayé de faire un truc plausible. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait, mais c'est plausible. En gros, là, c'est la route. Il faut partir du principe que là, les gens, ils roulent pas vite. Faut partir du principe que, en général, les véhicules qui arrivent là, ils savent que c'est pour aller au parc d'attractions et c'est pas pour aller d'un point A à un point B. Donc là, les gens roulent lentement. Donc c'est pour ça, ça va être un petit peu bizarre. Les voitures qui vont arriver par là, donc il y a un tunnel, les voitures qui arrivent par là, ils ont de nouveau le rappel, le panneau, le 30 km/h. Et là, d'un coup, la voie se resserre. C'est tout à fait normal. Donc là, soit... Alors, on voit rien avec le soleil, c'est incroyable. Je vais mettre 8h du matin. Ce sera bien mieux. Donc là, soit ils vont tout droit, bien évidemment, et ils continuent d'aller tout droit. Soit ils peuvent aller à droite et ils ont... Vous voyez, il y a beaucoup d'espace. En fait, c'est pour que les bus puissent également venir. Donc voilà. En venant de l'autre côté, bah, c'est la même chose. Les voitures qui viennent de là, il y a une voie à gauche.
peuvent tourner à gauche et une voie pour aller tout droit. Voilà, c'est un petit peu réfléchi, j'ai fait comme j'ai pu, hein. C'est pas facile. Les flèches, je les ai fait moi-même, ça se voit, c'est pas parfait. Donc voilà, on peut tourner ici. Donc les voitures arrivent ici. Tac. Le CD de passage, bien sûr. Donc là, comme ça, tu peux faire le tour du parking. Si t'as pas trouvé de place, tu peux refaire une boucle. T'es prioritaire là-dedans. Tu choisis ta place. Et pour sortir, tout simplement, par ici. Donc soit tu vas là pour aller à gauche, et là c'est un stop. Soit tu vas à droite, et là c'est un CD de passage, puisqu'il y a que à regarder à gauche. Intelligent le mec. Et puis là, ici c'est interdit, c'est réservé au bus. Voilà, ici c'est réservé au bus. Donc les bus ils viennent là, tac, et ils peuvent se poser ici. Et du coup, vous l'avez compris, j'ai donc créé un mode scénario pour pouvoir. Parce que souvenez-vous, la map s'arrêtait là. Hein. Et donc j'ai décalé les limites de la map et j'ai tout refait. Et j'ai mis le point de spawn entre ces deux bus. Tout simplement, avec un passage piéton. Plutôt sympa. Donc voilà, je suis assez content de moi. Et comme ça, ben, ça m'a permis d'avoir une superbe idée. À savoir, donc là j'avais. Bon, c'est pas fini la décoration. Hein. Mais du coup, vous voyez, là on a un petit ensemble sur le parc, ça fait plaisir. Tu vois, on voit ici la tour infernale, on voit le Green Hell, on voit les bûches et on voit un petit peu les mines là ici là. Donc c'est plutôt sympa. Si on fait attention, on peut voir même là-bas le Lost in Space. Donc là, on commence à voir plein d'attractions dès l'entrée du parc. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée de rajouter une attraction sur le parking, comme dans pas mal de petits parcs bien sympas, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire The Monster, pour la simple et bonne raison que ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai découvert le parc de mes abonnés, enfin de mes modérateurs, ben j'aime trop ce genre d'attraction là, The Monster. Et du coup, j'ai fait ce coaster là, et je suis assez content. Donc on va faire un on-ride. Il est plutôt fluide, donc vous m'en direz des nouvelles. Je vais vous faire un petit on-ride et j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Pareil, je me suis bien amusé pour la file d'attente que je vais vous montrer. Alors c'est par ici. Et donc là les gens y vont, hein. Parce que là c'est une zone où personne n'allait. Et en faisant ça, j'espère que les gens vont aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye un peu d'élargir l'affluence du parc. Mais rien n'est sûr. Je me suis gavé, j'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Alors que c'est pas fini, mais j'ai pris beaucoup de temps à faire ça les gars. Voilà. Tout camouflé, tout comme il faut, frère. J'ai cru que j'allais péter un câble. Hein. Je vous montre un peu, mais à chaque fois, c'est des bâtiments pour camoufler les escaliers. Enfin, c'est très long, c'est très chiant. Mais j'ai réussi. Voilà, j'ai pas pété un câble. Donc, je suis assez content du résultat. Bon, le nom d'attraction, c'est The Monster. Je me suis pas cassé la tête. J'avais pas fait attention à ça. Du coup, on va faire un petit tour. Donc, voilà, la file d'attente. Bon, rien de bien méchant. Hein. Attention à la dynamite tout de même. Mais je suis assez content du truc. Allez, c'est pas décoré encore, je veux dire l'attraction n'est pas, voilà. Mais c'est plutôt sympa. Hop, je me mets en vue subjective. Et on est parti les gars. J'espère que vous allez kiffer. Vous me donnerez vos avis en commentaire. C'est parti. Alors n'oubliez pas que le gars bouge sa tête dans tous les sens un petit peu. Hein, ça risque de fausser un peu la fluidité, mais... Franchement, je me suis quand même bien amélioré, je suis content. Hein. Je suis content de ouf. Alors oui, il y a un deuxième lift, je sais pas si c'est très réaliste, mais voilà, je voyais pas... J'arrivais pas à faire autrement, je me suis dit bon, allez. Comme ça c'est le grand truc de sensation. Et voilà les amis, je suis assez content du résultat franchement. Même là avec le recul d'avoir fait, je suis content. C'est je pense une de mes meilleures attractions genre en termes de fluidité quoi. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez.
Et je prends évidemment note de tous vos avis. Mais voyez, du coup, ça me fait chier parce que même cette attraction là, les mines, bah, je la trouve du coup beaucoup moins bien, quoi. Elle est beaucoup moins cohérente. Enfin, je sais pas comment dire. Mais bon, c'est pas bien grave. Est-ce que j'ai raté des trucs? Probablement. J'ai probablement raté des trucs, mais c'est pas bien grave. Donc, je me suis beaucoup aidé du workshop pour certaines choses, mais qu'après j'ai retravaillé à ma sauce. Et j'ai combiné plusieurs choses, vous voyez, par exemple, en réalité, ce truc de bus, ça vient d'un autre machin du workshop. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Donc voilà, je suis assez content. Franchement, je suis assez content. J'ai hâte de vous lire, tout simplement. J'ai hâte de vous lire. Ça a vraiment avancé très très vite et ça permet, voilà, d'avoir une belle idée de ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment trop cool. Comme dit, moi, c'est ça qui me fait kiffer, ce genre de... Voilà, les files d'attente, de les avoir travaillées, j'ai failli péter un câble. Il faut beaucoup de patience pour faire ça. Genre les escaliers, c'est le pire truc à faire. Je sais pas s'il y a des méthodes plus simples, mais voilà, c'est vraiment si t'enlèves tout, quoi, tu te retrouves, tu vois, enfin, tout de suite ça enlève beaucoup de charme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est assez amusant. J'espère que vous kiffez. Ah, je vous ai pas montré le parking de nuit. Hop, on va faire ça vite fait. On va mettre ça à 18h parce que 18h c'est une très belle heure avec le coucher de soleil là-bas. Et regardez, alors ça c'est un screen, c'est magnifique. Tu te mets là, mec, regarde, voilà. Ça, c'est un endroit que j'ai beaucoup contemplé, hein, quand j'ai fait les tests. Hein. Tu vois la tour infernale, tu vois le Green Hell, enfin le Lost in Space en fond. Et tu vois le breakdance et le coucher de soleil. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Y'a rien à demander de plus. Ouais, le parking, normalement, du coup, il est bien éclairé. Ah là, ça manque. Oh là, je vais pouvoir mettre des projecteurs. Je vais pouvoir mettre des projecteurs de couleur. Ça peut être bien sympa. Mais du coup, voilà, le parking est très bien éclairé comme il faut. C'est pile ce qu'il faut, quoi. C'est pile ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. Donc, c'est plutôt cool. Et là, quand t'arrives, bam, ça donne envie. Enfin, ça donne envie. Je sais pas, hein, mais je veux dire, les les petites lumières comme ça, là, tu vois le breakdance là-bas. Enfin, tu vois pas le breakdance, tu vois les lumières du breakdance. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Je suis content. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Et la queue commence à être longue ici aussi. Hein. C'est tout de suite moins décoré. Hein. Allez, ciao tout le monde.